Yo les gars, c'est Djorkaeff, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top. On se retrouve pour le nouvel épisode, l'épisode 3 de la carrière avec l'AS Roma. Donc on est parti tout de suite, on va aller voir le programme de l'épisode. Au programme de l'épisode, Vérone, Parme, Lazio et Sampdoria. On va pas jouer match contre Bologne parce que j'ai pas le temps, on est en semaine, les cours ont repris. Donc faut faire des épisodes petits pour des uploads petits, voilà. On va dire ça comme ça. Au classement, je vous rappelle qu'on est 10ème. Ah, on a baissé entre les deux épisodes, je sais pas pourquoi, mais on est 10ème, c'est cool. Donc voilà, on est parti tout de suite pour un match contre Vérone, avec l'équipe type, hein, l'équipe titulaire, avec Benzema, Benatia, Nangolan, toute la clique. Top, c'est parti. Come on. Allez, on a mis l'équipe type, on devrait s'imposer normalement. On va essayer de faire un preuve de moins de confiance que la dernière fois, parce que la dernière fois, je pense qu'on a eu un abus de confiance après la magnifique retournée de Karim Benzema. Donc cette fois, on va essayer de se reconcentrer. Peut-être que je ferai rentrer des joueurs à la mi-temps, on va voir. Allez Jervis, tu contrôles Jervis, allez, non, tu rates ton face-à-face, ils sont trop revenus sur toi, ils ont commencé à mettre la pression, c'est moi aussi, j'ai pas fait tirer assez tôt je pense. Bon mi-temps 0-0, je vous cache pas qu'on tourne autour de leur défense, ils sont à 100 derrière, et nous, on est tout seul. J'ai l'impression vraiment qu'il y a un problème dans cette équipe, je sais pas, j'arrive pas à marquer des buts, alors l'équipe est bonne, je sais pas. C'est bizarre, l'équipe elle est vraiment exceptionnelle, j'ai Benzema en buteur quoi, Benzema il est énorme. J'ai que des joueurs énormes à chaque poste. À chaque poste, personnellement, j'ai envie de remplacer personne. Et pourtant, j'y arrive pas. Là, la question. Allez, Gervinho. Allez, Gervinho. Allez, la frappe de Gervinho. Et ça rentre. Qui a dit que j'y arrivais pas? Qui a dit que j'y arrivais pas? C'est moi. D'accord. Ah, ça change tout. Non, je déconne. Ça fait un zéro. Gervinho, il transforme. Il transforme. C'est le transformateur. C'est le Wilkinson de l'équipe, les gars. Pas le rasoir, hein, le rugbyman. Allez Florenzi, la tête de Florenzi. Hop hop hop, il était avec Tony, au duel avec Luca Toni. Mais il a pas démérité, il s'est pas laissé faire. Il a mis la tête, bon c'est pas cadré mais je suis content de lui. Ah oui, oh Gervinho. Oh Gervinho, il est encore là. Vraiment Gervinho me fait très plaisir. J'hésitais, au début de saison vous aviez vu, j'étais sceptique sur lui. Je me disais peut-être qu'il est que rapide, pas technique, pas super bien placé. Finalement c'est le joueur que je trouve le plus sur le terrain, qui marque des buts, qui est vraiment très 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 bon quoi. Vraiment. La surprise, c'est Gervinho, il est partout. Pjanic, Miralem Pjanic, oh le penalty. Oh le penalty, il y a penalty monsieur l'arbitre. Faut arrêter de nous arnaquer comme ça. Le goal à Vérage, c'est important pour nous. C'est important. Non, il a la contre-attaque, je le sens pas bien. Mune de temps additionnel. Bien joué Maicon, bien joué Maicon, en plus il récupère. Quel joueur. Quel joueur ce Maicon. Heureusement qu'il est là pour l'expérience de l'équipe. Et voilà, c'est la victoire, 1-0. Il aurait dû avoir penalty sur nous. Il aurait dû, on a un collectif. On veut gagner, il nous faut le goal à virage. Sincèrement, si on nous le donne pas le goal à virage, on peut pas l'avoir. Hein. Ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave. Fin de match un peu spécial, mais voilà. Match contre Parme, on a 3 petits mails. Voilà, conférence de presse, on va y aller directement. On va motiver les nôtres. Cette fois face à Parme, faut pas se laisser faire. Clairement, faut pas se laisser faire. Et c'est parti face à Parme. Parme, une très bonne équipe, on va dire, qui est assez intéressante sur le papier. Et bon, nous, on est encore plus intéressant, les gars, je vous le... Oh Karim. Oh Karim. Oh non Karim. On est au début du match. T'avais plus qu'à passer la balle. Florenzi, il te fait un LBY. Mais genre easy. Il attend. Personne vient sur lui. Il fait le LBY. Et toi, tu rates. Vas-y. Et puis sur... Eh, je sais pas vous. Mais les corners. Sur ce jeu. En mode solo. C'est un impossible de les mettre. Clairement, c'est impossible. Regardez-moi ça. C'est impossible. J'en ai pas marqué deux, je crois. Un goal en deuxième poteau. Ou sur la tête de Benzema. Encore Benzé. Putain Benzé, il tire sur le gardien quoi. Faut arrêter de tirer sur le gardien comme ça là. Sinon on risque pas de gagner et de marquer des buts. Hein. Allez Benzema. Et le but de Karim Benzema. 35ème minute de jeu. Maicon qui récupère ses salles. Il la met au-dessus. Le petit LBY et la bonne reprise de volet de Benzema. C'est ça. On recrute Benzema. Peut-être que Destro il l'aurait pas mis. Mais ce qui est sûr, c'est que Benzema, lui, il la met easy quoi. Oh oui Benzema. Et le doublé de Karim Benzema juste avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps. Il met son but. Le petit Karim Benzema. Karim Benzema, il met le doublé. Ça fait 3 matchs, 2 buts. Non, 2 buts, 3 matchs. Non, 3 buts, 2 matchs. Voilà, 3 buts, 2 matchs. Easy. Mi-temps, on gagne. Logiquement, 2-0. Doublé de Karim Benzema. Sur 2 LBY certes, mais on s'en fout. Benzema il fait le travail.
Le joueur dont je suis le plus déçu, c'est Florenzi. Florenzi, je sais pas comment on dit, sur le côté, il est très très light. Il est tout le temps, jamais au bon endroit, quoi. La belle passe de Miralem Pjanic, parfaite pour Karim Benzema. Oh, Miralem Pjanic, je vous assure qu'il délivre les meilleures passes que j'ai jamais vues du jeu. Meilleur que Moutinho in form. Clairement, regardez-moi cette patte d'artiste. C'est vraiment... Bah, qu'est-ce que tu peux vous dire de plus? Un artiste. Oh, N'Golo, il est parti. Oh, N'Golo, il est parti. Il va finir, N'Golo. Quoi? Mais t'es sérieux, mon gars? T'es sérieux? T'es mauvais. Eh, t'es mauvais. Je te le dis. J'ai pas envie de te le cacher. T'es mauvais, t'es mauvais. Tiens, tu vas dégager. Voilà. Punition. Punition. On fait rentrer Strootman. On va faire rentrer Lalic à la place de Florenzi. Voilà. Et on va faire sortir Benzema parce que j'ai pas envie qu'il se blesse parce qu'il est un peu fatigué. On va faire rentrer Destro. Voilà. Punition pour N'Golan. Oh, la mauvaise relance. La mauvaise re... T'es sérieux, mon gars? Vas-y, Destro, j'ai bien fait de... Eh, j'ai bien fait d'acheter Benzema. Hein. C'est comment il est pourri, Destro. C'est chaud. Comment il est mauvais. Voilà, fin du match. Destro, il est bien dégueulasse, hein, je peux vous le dire. Vraiment ignoble. Mais on gagne 2-0. Benzema, homme du match. La base, quoi. C'est ce que je veux voir à tous les matchs. Ce que je veux voir à tous les matchs, c'est vraiment le match type que je veux voir tout le temps. Tout le temps. Des victoires, des victoires, des victoires, des victoires, des victoires, des victoires. Et encore des victoires. Conférence de presse, on joue contre la Lazio. C'est le derby, on va dire. Le derby. C'est le derby romain. Voilà. Donc faut le gagner pour les supporters, pour nous aussi, pour le classement. Comme vous voyez, on est quatrième à 7 points. Le premier, sûrement la Juventus avec 10 points. Mais voilà, match contre la Lazio de Rome, tout de suite. Pas de place pour l'amitié dans ce derby, faut gagner. C'est parti tout de suite, on a mis l'effectif. J'ai juste mis, comment il s'appelle? Le petit, je me rappelle plus de son nom. À la place de Florenzi qui me fait pas une grosse saison. C'est Lalic, voilà, j'ai mis Lalic à la place de Florenzi. On va voir ce que ça... La récupération de Karim Benzema. La récupération. Et l'ouverture du score de Karim Benzema. Oh, regardez ça. Il récupère, poum, headshot, nigueux. Et voilà, il va finir la finition. Karim Benzema, c'est ça. C'est une finition. C'est un homme qui est toujours au rendez-vous. C'est Renard des surfaces. C'est le gars qui fait plaisir et qui permet de gagner 1-0 dans ce derby romain qui s'annonce très 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 disputé. La Lalic sur le côté. Le centre de la Lalic sur la tête de Karim. Ouh là, qu'on fait faire la retournée. Ouh, il a fait caser la spéciale. La spéciale retournette de Karim Benzema. Je vous dis, c'est la spéciale, on va dire. On va l'appeler comme ça. Clairement, on a encore fait mettre une deuxième. J'aurais mis la deuxième retournée. Je vous dis, les gars, regardez-moi ça. Karim Benzema, il est encore là et pouf, il tente la deuxième retournée. Je l'aurais mis, ça aurait été juste honteux, quoi. Voilà, mi-temps, 1-0, but Karim Benzema, qui a récupéré le ballon d'une façon assez chanceuse. Mais on s'en fiche, un but, c'est un but. Surtout dans un derby comme celui contre l'AS Rome, il n'y a vraiment pas à faire de cadeau. Et donc, voilà, on profite de ce but. Effectivement, c'est assez sale, mais bon, ça fait un but. Et de toute façon, on n'est pas là pour marquer de beaux buts, hein, on est là pour gagner ce putain de calcio. Et voilà, c'est gagné, 1-0, on gagne ce putain de derby romain. On apporte les 3 points à l'équipe, but de Karim sur un total cafouillage. Je ne voudrais pas montrer beaucoup d'action, mais vraiment, les stats étaient très très équilibrés, ils avaient la possession. C'était vraiment un match des deux côtés où il y avait des tirs, il y avait des belles actions. J'ai pas tout mis parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais voilà, donc... vous inquiétez pas. Donc au classement, comme vous voyez, on est premier à égalité, 4 matchs, 10 points. Comme la Juventus. Et là on a un match contre Sampdoria à l'extérieur. On va aller voir l'email de joueur pour le prochain match. Florenzi voudrait être titulaire. Je ne sais vraiment pas si ça peut le faire. On va voir si nos joueurs sont pas fatigués. Non, ils ne sont pas fatigués à ce que je vois. Donc on va partir avec le même effectif contre la Sampdoria. Bon, maintenant faut que j'y pense. D'arrêter de dire tout le temps les prénoms italiens avec un putain d'accent italien, ça fait un peu ça fait bizarre, on va dire, sans trop vouloir en dire. Gervinho qui est parti, Gervinho qui est parti, il est irrattrapable. Gervinho, il est rattrapable à frappe croisée. Je pensais vraiment qu'il était rattrapable, malheureusement il s'est fait rattraper. On obtient la touche avec beaucoup de chance. On domine ce match face à Sampdoria. On va centrer sur la tête de Karim Benzema. Allez Karim, mais corner, bien joué Karim, t'as réussi à avoir le corner. Donc on va le tirer avec Lalic. Lalic tu es pour la tête de Benatia. Mehdi Benatia. On n'arrive pas. On a des actions. Là on fait 3 tirs en même pas de 30 secondes. Et pourtant ça ne rentre pas. Mais bon. J'ai confiance en mon équipe. On a un bon effectif. Vous savez que j'adore cette équipe de la Roma. Donc j'aurai tout pour pouvoir l'avoir gagné.
Interception de Miralem Pjanic, la passe lumineuse de Miralem Pjanic pour Lalić. Lalić! Regardez-moi cette passe de Miralem. Tout part sincèrement, je pense, de la passe de Miralem Pjanic. Juste ici, regardez-moi ça. Il récupère le ballon. Et là, regardez ça. La passe. Regardez-moi cette passe de psychopathe qui fait à l'extérieur du pied. Magnifique dans les pieds de Lalić. Pour l'ouverture du score, 1-0, 27ème minute de jeu. Pjanic est un génie, je vous le dis les gens. Pjanic va terminer meilleur passeur du championnat, meilleur tout ce que vous voulez. Cet homme a un sniper à la place du pied. Mais plus que ça quoi. Cet homme voit le jeu, a une vision de jeu, c'est assez incroyable. Personnellement moi j'en reste ébahi. Gervinho qui entre dans la partie, c'est pour Benzema, Benzema l'a roulé. Et goal, 34ème minute de jeu. L'enroulé de Benzema, on est rentré, on rentre dans la surface. Et puis là on décale, et l'enroulé de Benzema qui vient se loger dans la Lulu. Ça fait 2-0 face à Sampdoria. Je préfère que ce soit face à la Lazio. Mais bon, on se contente de ce qu'on a avec cette série là. On écrase tout le monde. Je pense que cette série là va durer vraiment longtemps sur la chaîne. Quand je vous dis longtemps, c'est longtemps. Je pense que je vais essayer de faire monter cette équipe de la Roma comme une des meilleures équipes du monde. Alors ça commence tout de suite par ne perdre aucun match dans une saison. Et je pense qu'on peut le faire cette année. Enfin, au moins... Enfin, peut-être pas perdre aucun match, mais au moins gagner ce Calcio en ayant perdu, on va dire, un maximum de 5 matchs. C'est vrai que perdre plus que 5 matchs, ça commencera à être inquiétant pour un champion. Donc on va essayer de faire ça comme ça. Allez, le centre. Lalić. C'est quoi? Lol, lol. Les retours acrobatiques avec cette équipe, faut qu'ils se calment les gars. Ça marche pas comme ça. Et voilà. Mi-temps, 2-0. On domine. Gervinho. Non, Benzema Lalić. Benzema qui a encore marqué un but. Enfin Lalić, on va lui dire qu'il a été déposé dans ses pieds. Mais bon, Lalić commence à faire ses preuves. Florenzi qui me paraissait un peu trop lent. Qui me paraissait peu technique. Donc là, Lalić qui fait ses preuves. Ça fait plaisir, notamment avec ce but sur une passe magnifique de Miralem Pjanic. Il est parti Maicon. Pourquoi c'est Maicon qui est ici? Je ne sais pas, Maicon. Ça passe à côté. Maicon il était monté, le petit Maicon, le défenseur central sur LBY. J'ai cru qu'il aurait pu marquer, ça aurait été beau. Mais on sait que Maicon est capable de marquer des buts. Donc c'est pour ça que j'ai pas hésité à tirer avec Maicon pour changer dans la profondeur. Maicon sur la tête de Benzema. Et c'est le doublé de Karim Benzema. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Maicon qui est encore là, qui met sur la tête de Benzé et qui marque encore. Benzema, incroyable recrue du Real Madrid, qui vient vraiment donner du baume au cœur à cette équipe de l'AS Roma qui gagne maintenant 3-0 face à la Sampdoria. C'est vraiment magique. C'est magique de faire ça avec en plus un doublé de Benzema, une passe des de Maicon, de Pjanic. Tout le monde participe dans cette équipe. Ça fait plaisir. Vraiment super content. Oh oui. Oh oui, Lalić. Oh le but. Oh le but de Lalić. Po. Regardez-moi ça. Il s'appuie sur Benzema, encore une fois, Benzema qui la met en lob ou alors chez Nainggolan. Et là, la reprise directement en pleine lucarne, 4-0, 70ème minute de jeu. Po. Je vous dis, il y a des matchs comme ça où on gagne 1-0, il y a des matchs où on gagne 5-0. Et je peux vous dire que c'est assez bizarre. On sait pas vraiment comment réagir parce que l'ordinateur fait vraiment comme il veut. S'il veut te laisser gagner un match, j'ai l'impression qu'il peut te le faire. Par exemple, là, j'ai vraiment l'impression que l'ordinateur est inexistant face à moi. Alors que au match justement d'avant, l'ordinateur était excellent. Il faisait des vraiment très très bonnes combinaisons. J'ai vraiment énormément eu de mal à gagner contre l'ordinateur. Et puis là, je sais pas, il a l'air d'être moins fort. Il a l'air de moins mettre l'accent sur le ballon. Donc c'est assez bizarre. Voilà, fin du match, 4-0. Benzema Lalić, Lalić forever. Donc voilà, c'est bon. On a victoire ce match. Je pense que ça va être la fin de cet épisode juste ici. Parce que vous savez que j'ai très peu de temps en ce moment à consacrer à YouTube. Donc voilà, les épisodes sont un peu plus courts. On a deux emails de joueurs. Je ne suis pas content, coach. Un joueur de mon calibre, mon monsieur Stroutman veut jouer. Monsieur Stroutman va jouer. On va peut-être le prêter, Stroutman. Je sais pas. J'hésite. Dites-moi qui je mets, Stroutman ou Nainggolan. C'est vraiment deux joueurs que j'aime beaucoup. Qui sont jeunes tous les deux. Qui sont bons tous les deux. Après, c'est vrai que Stroutman est un peu plus défensif. C'est vrai que je préfère Nainggolan. Après, peut-être le prêter. Ça pourrait être la bonne solution, va savoir. Donc là nos joueurs sont exténués. On va avancer jusqu'au prochain match et on va se laisser là dessus. Cet épisode paraîtra dimanche. Donc sachez que vous aurez un épisode du mode carrière mardi avec la Roma et jeudi avec Porto. Voilà, donc c'est ça le programme de la semaine. Voilà. Donc là on parle tranquillement. Voilà, Stroutman qui est pas content. On va aller voir rapport d'équipe. Si on n'a pas pris des plus 1. Si Benatia qui a pris plus 1, regardez-moi ces stats de Benatia. Récemment arrivé de Milides pour 17 millions.
Lui, il a rien pris. Nainggolan qui prend en plus 1, ça fait plaisir. Lalich qui prend en plus 1, j'ai bien fait de le mettre sur le terrain. Gervinho qui prend en plus 1 lui aussi, normal hein, vu la saison qu'il fait. Florenzi qui prend en plus 1, Dodo en plus 1. Toloi qui prend en plus 1, mais il est prêté. Tac, 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 tac. Destro, hein. Bien il se faire voir, Destro. Prêté à West Ham, prêté à Bologne, à Sveron, Real Sociedad. Angel, pas mauvais Angel. Hein. Cross Angel, j'aime beaucoup. Talo, voilà donc. Et tout au niveau de l'effectif, on va aller voir le classement. On est premier, je crois. Ouais, premier. Avec un peu plus de buts au goal average qui nous permettent de passer devant la Juventus. Mais regardez-moi, les 4, les 5 même premières places, on est vraiment très serré. Même les 6 premières places, on est qu'à 3 points de la 6ème place. Donc à une victoire, hein, si on perd et que toutes les autres équipes s'imposent, on reviendra 6ème. Donc c'est assez serré. Prochain épisode, on aura Bologne, Naples, l'Inter, Nunes et peut-être Kiebo. Donc je vous dis, hein, c'est entre 4 et 5 épisodes. Je vais pouvoir prévoir le temps que j'aurai pour faire la vidéo et combien de temps durera la vidéo. Donc au niveau du classement des buteurs, on va aller voir ça tout de suite. Je suis pas allé voir bon truc, je suis vraiment boulet. Au niveau du classement des buteurs, Benzema 6 buts, Tevez 5 buts. Donc c'est assez serré, passe décisive. Est-ce qu'on a un de nos joueurs? Je crois pas. Si, on a Meikon avec 2 passes, Gervinho avec 2 passes. C'est tout malheureusement. On n'a pas Pjanic qui mériterait, mais bon c'est comme ça. 206, 4 matchs en invisibilité. Carton jaune, carton rouge, on s'en tape. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Moi en tout cas il m'a plu, je prends des accents de steward d'avion, les gentlemen, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Mais en tout cas on se retrouve pour un prochain épisode, l'épisode 4 prochainement. C'était Jorkaf, bye tout le monde.